Je sais, je retarde, j'ai un petit souci technique. Il est là? Ouais. Ah, c'est cool, c'est cool. Hey! Salut David, comment vas-tu? Ah, désolé du retard, ouais. J'étais complètement coincé avec ta fille. Ma fille! Oh, ma fille, attention. Non, non, oui, je la connais pas, ta fille. Et puis, elle a quoi? 4-5 ans? Hein? C'est très bizarre dit comme ça, ok. C'est pas grave. Alors, du coup. Tiens, c'est marrant ça, on est habillé pareil. Avec les mêmes lunettes et la même coupe de cheveux. Je vais enlever ça, sinon ça va me perturber. Alors comment ça marche ici? C'est très simple. Les internautes ont posé des questions à ton sujet, bien évidemment. Je te les pose et tu réponds au tac au tac. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que t'allais faire la même blague que les derniers que j'avais interviewés. Bah, j'ai interviewé Ben et Pierre Cross, que tu connais bien, hein, Pierre Cross, c'est un bon ami à toi, ça. Ouais, t'es pas obligé de répondre, t'as raison, c'était pas encore l'interview, hein. Ok. Est-ce que t'es prêt? Super. Michel, ça tourne déjà? Ok, c'est parti, dans 3, 2, 1... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Fun et Décalé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un invité de marque puisqu'il s'agit de Monsieur McFly. Je ne parle pas de Marty, mais bien évidemment de David Koska. Bonjour à toi David, comment vas-tu? Ok, il est très concentré. Alors on commence sans plus tarder par la première question des internautes qui est « Sais-tu combien de fois as-tu effectué un dab sur ta chaîne YouTube ?» Il doit y en avoir pas mal. Ok, c'est pas grave, on enchaîne. Deuxième question, quels sont les prénoms de tes enfants? C'est peut-être un peu indiscret, du coup je m'en rends compte, je suis désolé, on va enchaîner sur la suivante. David, quel est ton plat préféré? Une question simple. Peut-être que t'en as plusieurs, du coup tu sais pas, mais donne-les tous au pire, hein. Pourquoi tu parles pas, David? C'est Raphaël qui t'a dit de ne pas parler durant tout l'interview. Bien joué, bien trouvé, c'était un bon défi, mais... Dommage à toi, Raphaël, j'ai trouvé le poteau rose. Du coup, tu peux parler, je t'octroie, hein, le droit de répondre aux questions, David. Écoute David, si le but d'une interview c'est que je te pose des questions et que tu répondes. Si tu ne réponds pas aux questions que je te pose, l'interview tombe à l'eau, ça ne sert à rien du coup de faire une interview, hein, si tu ne peux pas répondre, si tu ne veux pas répondre. Non, parce que c'est chiant en fait là. Ça le fait sourire, ça le fait sourire, visiblement, ok. C'est bien que tu le prennes comme ça, David, hein. Mais j'ai vraiment pas le temps de jouer à ce petit jeu-là avec toi, hein. Donc, est-ce que tu peux répondre à la question, s'il te plaît? David! Je commence à m'énerver. Je suis pas comme ça, d'habitude. Mais là, tu commences à me pousser à bout, hein. T'as peut-être oublié la question? Oh, bah, pas de soucis, je te la repose, David, voyons que... Wesh, la tête. C'est très simple, c'est une question simple qui mérite une réponse simple. Quel est ton plat préféré? À toi de jouer. Tu veux que je t'aide? Peut-être que tu aimes bien le cassoulet, tu aimes bien la soucroute, la raclette, je ne sais pas, mais il me faut une réponse, David. Très bien, je vais pas m'énerver. Je suis très calme. Wouh! Du coup, bah ce qu'on va faire, David, c'est que t'as tout gagné, hein. T'as tout perdu, du coup. Il y aura pas d'interview, David. C'est... Michel, coupe, j'en peux plus, là. Oula. On arrête là. Gardez la pêche à le sourire, c'est précieux.